Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne Fringuée. Aujourd'hui on est sur un petit tuto StarMade. Et puis on y va tout de suite, allons-y. Voilà mes amis, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur l'énergie, car c'est vraiment un truc très important dans StarMade. Et puis il y avait un bug, on va dire que c'est un bug qui existe depuis la nuit des temps. Moi, je l'ai vu depuis à très longtemps, mais j'étais pas sûr à 100% qu'il soit encore toujours actif. Et il l'est toujours, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va dans notre petit GEMCore qui est ici, et notre petit bloc ici, en appuyant sur R, il va nous donner l'info. Donc qu'est-ce qu'il y a? Info énergie, capacité 43 000, mais c'est surtout le taux de recharge qui nous intéresse par seconde. Là donc on est à 140, donc vous pouvez voir ça aussi dans l'encadré à gauche au milieu avec la puissance. Car le recharge, c'est ce qui est le plus important, parce que l'énergie, s'il n'y a pas assez de réacteurs, ça ne se recharge pas assez vite et ça va pas. Donc c'est vraiment ça qu'on va regarder, c'est vraiment le plus important. Plus un taux de recharge, plus ça recharge vite, donc plus vous avez de puissance. Donc un bloc comme ceci, il fait donc comme prévu, capacité 49 423 sur 500. Sur 50 000, même 50 000, c'est un taux par 50 000 pour celui-ci. Et le taux de recharge est à 140, donc on est OP là-dessus. Je vous ai fait sur plusieurs chipcores, comme ça vous pouvez bien voir la différence et tout. Alors, on va aller sur celui-ci. Donc la plupart du temps, ce qu'on s'amuse à faire, on pouvait le faire de ce type-là ou n'importe comment. On en met où on veut, hein, des réacteurs d'énergie. Et le problème, c'est que ça prenait quand même beaucoup de place. Donc ça, c'est le bloc le plus simple, hein. Là, c'est du 5x5 ou du 6x6. Du 6x6. Donc le 6x6, on va mettre toujours sur le R ici, il n'y a pas de problème. On va mettre un autre truc, parce que ça m'énerve. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc toujours capacité 50-50. Donc, pourquoi pas plus de capacité? Parce que, justement, ça c'est vraiment ce qui donne la puissance. Et il nous faut... Et la capacité est gérée par les condensateurs, donc c'est bloc C. Celui-ci, tac, si j'en mets un, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours beaucoup de... Il nous faut des réacteurs, c'est certain, mais il nous faut un endroit pour stocker l'énergie. Donc qui est ces blocs C. Mais c'est plus... On va se baser plus sur ce... Vraiment... Le bloc qui nous donne l'énergie, ça c'est vraiment une recharge, c'est vraiment où l'énergie va se stocker en attendant d'être utilisée. Donc ce bloc-ci, du 666, il y a toujours capacité 50 000, donc capacité 50 000, c'est vraiment pour ce bloc-ci, donc c'est là, c'est la capacité de base, d'origine, quel que soit le nombre de blocs. Et c'est pour ça qu'il nous faut mettre ceci aussi avec. Donc ici on a une recharge. Un taux de 7836. Donc toujours pareil, dans la petite barre à gauche, c'est marqué 7836 par seconde. On est d'accord. Puissance 44. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs il y a 24 là-dessus. On va recalibrer 24. Bon, peu importe, la puissance s'en fout au pire. Là, c'est vraiment pour la recharge. Donc, taux de recharge 7836, c'est vraiment le truc qui est le plus important. C'est ça qui va nous donner l'énergie, c'est la recharge qui est important. Après, il nous faut le stockage, bien entendu, comme ceci. Et après, la capacité, donc, ouais, il faut un endroit, il faut des batteries hein, pour charger le surplus d'énergie. Autrement, c'est d'énergie perdue, donc c'est pour ça qu'il y a ces recharges. Et le taux de recharge... vraiment plus important. Donc on avait ce système-ci qu'on fait habituellement dans nos vaisseaux, donc on fait des blocs comme ça, ou on en met en ligne, en carré, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a un système qui existe depuis la nuit des temps de StarMade, c'est un bug, c'est ce bloc-ci. Donc qu'est-ce que c'est ce bloc-ci, et c'est quoi la différence? Donc là, on va re-regarder. Donc on est à 7836, on sort, et on va à l'autre. C'est exactement le même. Oups, ça bug, je m'excuse. C'est exactement le même. C'est du 6x6. Seulement, il y a des petites variantes très bizarres.
Et si j'appuie sur R, on a mis à 8449 de recharge, taux de recharge. Donc comment ça se fait que ce bloc-ci, il y en a plus que dans ce bloc-là? Alors là, Frangy, c'est quoi cette histoire? Eh ben c'est ça le bug en fait. Je vais vous le démontrer sur le bloc d'à côté. Car ce bug-ci, je ne sais pas qui l'a trouvé, mais ça c'était vraiment une découverte formidable. C'est vraiment uniquement sur ces blocs d'énergie, donc les réacteurs. Les recharges comme ceci, ça, on ne peut pas faire ce type de système, qui est bien dommage, mais bon. Ce bloc là-bas est en fait des blocs comme ceci. Et StarMade considère que s'il y a ces trois lignes-là, donc il y a ces blocs-là, et ces blocs-là, donc ça fait un espèce de truc comme ça, un angle, hein. Donc côté droit, côté gauche, la hauteur, longueur, largeur, hauteur, on pourrait dire que c'est les lignes. Enfin voilà, vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai du mal à vous l'expliquer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 2112. 2112. Et quand vous faites ce type d'architecture avec des blocs d'énergie, donc que tu arrives, toi, vous frottez, hein, et ben, StarMed considère que tout le bloc invisible là est un bloc plein comme le grand bloc là-bas. Seulement ici c'est vide, là j'ai mis des petits écrans pour vous démontrer, et ici c'est vide. Et l'avantage c'est qu'on gagne déjà beaucoup de place, beaucoup de blocs d'énergie, et on peut faire comme celui-ci. Donc celui-là c'est le même, sauf qu'il vu que notre énergie fantôme qui est ici dans ce bloc-là, qui n'existe pas alors que le système considère qu'il y en a, eh ben il y en a ici, il y en a 4. Il y en a un là. Donc les petits travers, ils s'arrêtent là au bloc rouge. Là au bloc rouge, donc il y en a un ici. Il y en a un ici. Et il y en a un là. Et il y en a un là. C'est pour ça qu'ici, il y a 8000. 8000 des brouettes. Alors que là, il y en a 2000. Ici, c'est bien un bloc où il dit 2120, 2112. Et ici, il y en a 8000. Parce qu'il considère que cet élément-là, c'est tout ce bloc. Et donc là, on en a encastré 4. Donc un là, un là, un autre là, et un autre là. Donc c'est pour ça que ça gagne donc beaucoup plus de puissance en gain d'énergie de recharge qu'un bloc complet comme celui-ci. Et là, on a de la place. On a de la place. Et là, comme j'ai pu vous démontrer, ici, on a 8400. Là-bas, on avait 2100, 2112, si je ne m'abuse. Et là, il n'y a qu'un élément. Là, il y en a 4. Donc ça fait beaucoup plus. 8440, beaucoup plus qu'un bloc complet. Ça, c'est un bug de StarMed. C'est comme ça. Et puis là, comme vous pouvez voir, on a 7836, alors que là, on en a 8000 et on a un espace vide en plein milieu. Donc, ça peut être ce type de système. On va aller à l'autre. Ce type de système marche uniquement pour ce type de blocs, donc c'est des réacteurs, ça je vais l'enlever. Et bien entendu, il nous faut maintenant, peu importe la longueur de votre système, du moment que vous avez quand même vos trois axes, un axe là, un axe X, Y, Z, maintenant lequel j'en sais plus rien, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Là je vais en rajouter un, et puis il va nous dire qu'on est à 2500, on peut le faire. Autant. Et il va considérer que tout ce bloc jusque-là va être un bloc d'énergie. Et là, on est à 3400. On peut rajouter là. Et on a 4800. Et la feinte, vraiment la feinte, les amis. La feinte vraiment de ce système, c'est, je vais vous remontrer sur celui-ci, ces quatre éléments. Là, c'est un cube, on pourrait faire un rectangle, comme
comme vous voulez, du moment que ces trois éléments sont là. L'X, Y, Z sont là. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Par contre, la feinte, les amis, c'est que vous voyez ici, donc on est à 4849. La chose à ne pas faire, c'est de mettre un bloc ici. Donc ici, cet axe, ces trois axes sont indépendants. Ils ne sont pas collés à celui-là, même s'ils sont dans l'angle, mais ça compte pas. C'est comme les blocs, comme le salvage, comme les canons. Si là, je remets un bloc d'énergie, on se dit, bah, pourquoi à ces endroits où il y a les blocs rouges, je ne mettrai pas un bloc. Là, je le mets, et puis là, tout à coup, eh ben, on est à 5548. 5549, si j'enlève, 8449. Car là, ça annule le système. Là, il garde que ceux qui sont vraiment à trois broches, à trois... ceux qui ne sont pas connectés. Et c'est là l'avantage du... Comme quoi, on peut les empiler, on peut les encastrer sans les connecter. Donc, suivez bien, gardez bien ce système en tête. Il nous faut ces trois axes-ci, sans qu'ils soient connectés avec les autres, qu'ils soient inversés. Celui-ci, celui-là, il n'est pas connecté là. Là-bas, il n'est pas connecté. Et là, il n'est pas connecté. Et l'avantage de ça, c'est que ici, ça nous laisse la place. Ça nous laisse un trou, on a de la patate, nous fait des économies de blocs, de place et d'énergie. L'énergie, on en aura. Plus savoir qu'en faire. Après, du moment qu'il y a ces trois axes aussi, ça marche. Donc si, admettons, vous n'avez vraiment pas de place, vous pouvez faire un système comme ceci, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vous démontrer, on fait un axe à 3. Enfin, un petit truc vraiment, le truc le plus petit qu'on puisse avoir, hein, parce qu'il faut quand même ces trois... Ces trois axes... ou même là, comme ça, là c'est vraiment un truc ultra raide. Donc on enlève ceux du milieu. Il faut surtout pas qu'il y ait de connexion, donc là ça serait presque chaud. Donc il faudrait en remettre un là. Du moment que les trois axes se touchent, le système ne marche plus. Donc là, on a un petit carré comme ceci. Et là, ça donne pas beaucoup plus de puissance. Là, faut que j'enlève celui-là. Tac. Là, on a à combien? On a à 9946. J'enlève celui-ci. Tac. J'enlève l'autre là derrière. On enlève celui-là. On enlève celui-là. Là on est à 10 000. Car là nous avons trois axes, trois axes qui sont bien définis. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Il ne touche pas celui qui est là en bas, ni celui qui est là, et ni celui qui est ici. Ils sont totalement indépendants. Ici vous pouvez mettre un autre bloc, mais pas un bloc de réacteur. Là on est à combien? 1906, on met n'importe quoi, je vais mettre un truc comme ça, paf. On est toujours à 10906. Si je l'enlève et que je pars à malheur, je mets un comme ça. On n'est plus à 10906. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut mettre celui-ci. Et ça ne bougera pas. Et ça, l'avantage, les amis, c'est que dans ces types de blocs, ce type de système, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez en faire encore un encastré au milieu, vous pouvez en faire autant que vous voulez, du moment que c'est pas connecté l'un à l'autre. Là par contre, quand vous partez sur ce système là, vous ne partez pas en les collant comme ci, comme ici. Faut les décaler, faut tout décaler d'un plan, vous refaites comme ça, tac. Enfin, je vais vous le démontrer tout de suite. Oups. Si vous l'avez vu, mais bon. Et là, on peut en faire un là. Tac. Donc en fait, j'ai la base. Voilà. Je le colle, mais c'est pas grave. J'enlève après. Tac.
mettre les axes qui montent. Donc là, ils sont dans les, ils se touchent dans l'angle, donc c'est totalement indépendant. Donc là, ils sont normal. Donc on va recouper. Donc là, on est à combien? On est à 10 400. Ok, on est d'accord. On enlève celui-ci. Donc à l'opposé, hein, en transversal, enfin en travers, on enlève celui-ci. Celui-là, on l'enlève. Celui-là, on l'enlève. Et là, on est à 12 000. Et là, bah, écoutez, les amis, une fois que vous avez de la place là, il n'y a plus de moyen de mettre quoi que ce soit. On bourre de ça. Ou d'autres choses, hein, de propulseurs, ce que vous voulez. Et là, vous avez gagné une pétée de place. Et là, les amis, ça, c'est un truc qui marche toujours et encore. Merci StarMed, c'est vraiment super cool ça, parce que les blocs d'énergie dans les vaisseaux, c'est vraiment un truc de fou. Avec un armement de dingue. L'énergie, il vous en faut, et ça, c'est le meilleur système. Donc après, à vous de gérer les places pour pouvoir mettre ce type de système. Donc on pouvait le faire en carré ou en rectangle, mais il faut qu'il y ait ces trois, faut qu'il y ait ces trois axes obligatoirement. Vous pouvez en mettre que un module comme ça, un endroit, un autre ailleurs. Du moment qu'ils sont pas connectés entre eux, ça marche. Ce module-ci tout seul marche très bien. Vous pouvez en mettre un ailleurs. C'est suivant la place que vous avez. Donc un module tout con, hein, si vous n'avez pas de place, et bah, faites un module comme ça. Tac. 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 Là, vous avez déjà un petit module. Vous gagnez un bloc, deux, trois, quatre. Là, on est d'accord, les amis. Et là, on met l'achat, on met le stockage pour votre énergie. Je vais enlever celui-là aussi. Tac. Non, toi, c'est par là que je vais te mettre. C'est ce truc qui m'emmerde là. Et là, on est toujours à 12 249, alors que l'autre là-bas, il est même pas à 6 000. Ou je sais pas combien. Je sais pas combien il est d'ailleurs, celui-là, je me rappelle plus. Et là, on est à 7 800, alors que là, on a, et encore il est pas plein, on a 12 000. Parce qu'on en a mis un double, on peut en faire autant qu'on veut, autant qu'on veut, autant qu'on veut. Donc, chers amis, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour faire un générateur d'énergie correctement, avec beaucoup de puissance, avec un gain de place, c'est ces trois axes. X, je ne sais même pas dans quel sens il est, X, Y, Z. Le système StarMed prend en compte que, entre ces axes-là, ça fait un bloc complet de générateurs comme là-bas. Vous pouvez les encastrer comme ceci, ou les empiler l'un dans l'autre, et c'est tip-top nickel. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris ce petit système qui est vraiment cool, qui marche toujours aussi bien sur StarMain. Il ne vous reste plus qu'à démonter vos vaisseaux et mettre ce système là-dedans. Ça vous fera du gain d'énergie, de place et de masse sur vos vaisseaux. Bon, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto bien sympa pour vous-même. Le deuxième de 2017, c'est cool. Je vais mettre ça en application. J'étais plus sûr que ça marchait, mais je me rappelais plus très bien. Ça fait un moment que je jouais plus à StarMade. Et écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Et puis, sur ce joli petit coucher de soleil, bon, il est toujours là, mais ça change pas. Faites pas les fous. Et puis, tchou. Et n'oubliez pas que le pouvoir de la carotte soit avec vous par là-bas au fond. Allez, chou et faites pas les fous, salut à tous!